Hey hey hey, kéké mes petits queues, bienvenue pour cet épisode nouveau du Lord and Lady, évidemment. Aujourd'hui est un grand jour. Oui, il y a un petit criquet, ou je sais pas quoi, qui vient me crisser dans les oreilles. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et grand jour, puisque aujourd'hui c'est le mariage de Althea et de Wilhelm. Oui, ce qui veut dire aussi que la semaine prochaine, officiellement, on peut commencer la génération noble. Sauf si, évidemment, on fait une micro-pause, histoire d'attendre le prochain EP via la campagne. Bon, il y a encore le réveil matin de Catherine qui pleure. Petit Sandor... Et il a fait caca. Oh bah d'accord. Bah maintenant il dort dans sa merde. Bah il faudrait savoir mon coco. Hein. Ah, qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu pues? Ah bah c'est un souci. Hein. Catherine, bah tu peux te réveiller. Parce que ton fils a faim. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que... Mais lui... Il va se taper son bain alors qu'il y a sa mère qui dort à côté. Mais je vous jure, hein, ils sont fous, ces Sims, ils sont fous. Oh, 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 petit chaton. Petit chaton Sandor. Ouf, oh la vache, la violence à laquelle il a sauté. Et il est brun, Sandor, et un petit garçon tout brun. Oh, et puis il est habillé à la mode de Batou. Oh, il a l'air cute. Oh, regardez-moi cette petite bouille. Brun aux yeux bleus. Eh ben écoutez, il a l'air absolument cute et j'ai l'impression qu'il ressemble déjà à son père. C'est qu'une impression. Le petit Sandor a vieilli et il sera 1, 2 et 3 dynamique. Oh, c'est les pires. C'est les pires. Faut vite que je m'en aille de ce foyer, moi, je vous le dis. Catherine, ça va? Pourquoi tu pleures dans ton lit? Qu'est-ce qui t'arrive? Bichette. Oh, tu as vu? Il est beau ton petit garçon. Oh, c'est trop cute. Non, vraiment, ça te va bien la paternité, mon petit Percy. C'est trop mignon. Toujours la best animation, hein. Je m'en lasse pas. Je le dis à chaque fois, mais je suis relou avec ça, mais... c'est tellement cool. Je trouve ça tellement mignon. Et pourtant, hein, vous savez à quel point j'adore alors, les bambins. Mon... amoureuse Spotted. Oh, ce petit... juste un petit bisou et puis il repart. C'est trop cute. Il y a quelques petites choses à faire avant qu'on puisse faire le mariage. Puisque, bah, comme vous voyez, Althea, elle a un petit peu besoin d'aller aux toilettes. Et surtout de prendre un bain. Parce qu'elle commence à puer sévère. Et que ça craint de se marier en puant la chaussette avariée. Notre Adélie nationale n'a pas perdu la main pour créer des chopinots, je crois. Des chopinots, je sais pas. Oui, c'est ça, chopinots. Que petit bout de chou, là. Il meurt de faim, mais... Ah, il y a quelqu'un... Oh ! Oh là, alors... trop d'informations en même temps, là. Concentrons-nous. Petit bout de chou, il a faim, mais il peut descendre, il va les manger, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, t'es quelqu'un qui toque. Bah, c'est le papa, mais en même temps, il est fou d'amour avec la vieille Adélie. D'accord, très bien. Et notre Perceval National qui lâche une grosse caisse en même temps. C'était fantastique, hein, on est d'accord. Oh bah ça alors, j'ai mis la même tenue. Non mais, tel père, tel fils. Allez, un petit coup de violon. Pour essayer d'emballer Adélie, hein. Bon, on va essayer de voir si elle n'est pas intéressée, quand même. Bon, ça fait un petit peu bizarre d'être aussi loin. Oh, c'est juste quand je dis ça qu'il va se rapprocher. Ouais, subtilement. Mais il n'a Dieu que pour Adélie, hein, le vieux Eric, là. Le vieux Eric Chalot. Demande un gros prêt. Non, mais ça va, on a de la thune, hein. Quand même, fais des grimaces, tiens. On va voir s'il va kiffer. Oh la vache, la fin d'Adélie est proche. Profitez de ses derniers jours de vie. C'est horrible, hein. C'est horrible, clairement horrible. Donc on va pas trop tarder. On va discuter un petit peu et puis on va organiser le mariage au bout d'un moment. Parce que là, c'est le temps presse, on va dire. Hein. Et nous voilà à la chapelle du village. Alors non, hein, ce n'est absolument pas sa tenue de mariage à Althea, on est bien d'accord. Ni le tenue du marié. Bon, par contre, lui, c'est sa tenue à lui. Je suis toujours pas allée le relooker. Hein, magnifique, comme d'habitude. Et puis, ah oui, c'est vrai que c'est l'automne. Ah oui, c'est vrai que c'est l'automne. Ah, mais tant, ça, c'était Sakura. Sakura Mercier qui a fait ça. On va abandonner la toile, j'ai un petit projet pour ça. Voilà, bah c'est parti pour faire la fête. Le petit bichon, il est aussi habillé de bleu. Bon sûr, il n'est pas encore passé à la case relooking, hein, mais
comme c'est cool parce qu'il est devenu bambin. C'est-à-dire que dans les règles, j'ai bien spécifié que... Bah, qu'est-ce qu'elle fout par terre, celle-ci? Mais Adélie, mais plus rien ne va pour toi. J'ai bien spécifié qu'en fait, quand il y a un enfant dans la maison, quand il y a un bébé, il faut toujours laisser quelqu'un au domicile. Ou ben, si c'est bambin, vous pouvez l'emmener avec ou laisser quelqu'un dans le domicile. Et ben, je trouvais ça dommage que ni Perceval ni Catherine pouvaient assister au mariage. Mais comme il est devenu bambin, et ben, on l'embarque avec. Bon, ça va être un peu une catastrophe. Mais il va essayer de se trouver un petit coin pour dormir et puis il arrêtera de nous casser les pieds. Voilà. Mais regardez ce pauvre petit, il fait dodo par terre. Mais quelle tristesse. En même temps, bon, ben, il était fatigué, il faut bien qu'il dorme quelque part. Mais là, c'est quand même assez triste, hein. Pauvre gosse. Oh, regardez. Regardez ça. Ça rend trop bien. Alors, c'est pas du tout ce genre de toile-là que je voulais faire, mais... On est quand même sur quelque chose qui est très joli, puisqu'ils regardent tous les deux leur avenir, tout simplement. Avec leur jeu de mariage et tout, ça va être trop cute. Bah écoutez, j'aime bien ça. Donc je voulais faire effectivement une toile pendant le mariage. Voilà, oh, le petit kiff perso pour garder ça dans la décoration. Mais regardez comme ils sont beaux, tous les deux. Oh mon dieu, mais bon, vous savez que je suis un peu cucu la riflette là-dessus, hein. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein, par chez moi. Cucu la riflette, qui sont très beaux et que j'aime beaucoup les mariages. Et bah, je les trouve super cute, là, l'un côté de l'autre, comme ça. Alter est resplendissante. Elle est très très belle. Et lui, il est pas mal non plus, on va pas se cacher. Regardez, ils sont beaux, ils sont fiers, ils sont jeunes. Oh là là, ils vont faire plein de bébés. Enfin, on verra jusqu'à quel point j'ai envie de m'énerver ou pas. Surtout ça, le truc. Donc, pendant qu'Adélie termine cette première toile, père et fils qui discutent, hein, ils sont en grande conversation. Alors, mon fils, tu vas te marier, il faut savoir maintenant que ta femme, il faut que tu la satisfasses. Oula! Alors que derrière, je pensais que c'était une petite discussion sympathique. Oh, arrêtez de me gueuler dans les oreilles, là. Mais ça se passe pas bien, là, avec Blanchette, là. Qu'est-ce que ça veut dire? S'excuser avec élégance? Bah oui, mais tout de suite, hein. Althea, sinon c'est à tes fesses, hein. C'est qu'à de le dire. Eh, oh! Oh, Blanche! Tu te calmes, Blanche, wesh! C'est son mariage, là. Pourquoi tu t'énerves comme ça, là? Ça fait... non, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Conversation aggravante, socialisation. Mais pourquoi? Mais t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas. Tu admires ta grande sœur et voilà comment elle te traite. Non, mais franchement. Regardez qui est là. Un petit bout blond, là. C'est Raphaël. C'est le fils de Blanche et de Philippe. Voilà. Il est venu, il est trop cute. Regardez comme elle rend trop bien. La toile. Oh, je trouve ça trop cool. Je suis ravie. C'est super sympa. Voilà, puis Althea, elle pourra pas la piquer parce qu'elle sera déjà chez elle, cette toile. Voilà. Quoi? Ça fait déjà une contre-soirée alcool et chips alors que le mariage n'a même pas commencé. Bah dis donc. Et en plus, Adélie nous a fait un chef-d'œuvre. Oh, oh là là, 2173. OMG. OMG. Allez, tout le monde revient. On va passer au mariage purement et simplement. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas ready, mais parez-vous du chemin aussi. Laurent, barre-toi de là. Barre-toi de là. Voilà, viens discuter ici, là, voilà. Voilà, parfait. C'est ce moment-là que j'aurais voulu capturer. Mais évidemment, rien ne va. Tu vas au mariage, mais je veux que tu fasses une toile, même petite. C'est maintenant. Oh, on est en train de rater le mariage. Oh, ils sont beaux. Oh là, c'est le bordel. Je sens que c'est le bordel. Oh, il est dans le champ. Il est dans le champ, mais c'est pas grave. Ça passe tout juste. Regardez-moi ça. Oh, ça va être trop beau. Je sais pas du tout si je prends... Ouais, non, on va faire comme ça. Avec le vitrail et tout, là. Oh là là, c'est beau. Je suis en plein kiff. C'est parti. Nous allons avoir une jolie toile pour le mariage. Et le mariage est là. Voilà, maintenant je suis concentrée. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Bon sang de bonsoir. C'est beaucoup trop joli. Je sais pas pourquoi Althea fait un peu la tronche, mais vous inquiétez pas. Normalement, elle est heureuse. Allez, la bague au doigt, la corde au cou, tout ça, tout ça. Oui! Vive les mariés!
my god. Oh, c'est trop joli. Je suis trop happy. Et voilà. Ils sont mari et femme. Oh, c'est trop mignon. Hé, oh, Adélie, là. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? Voir ce qui se passe. Ouais, allez, je t'autorise à regarder ce qui se passe et à voir que ta fille est heureuse. Ah bah, elle a pas l'air de kiffer le nouveau mari. Tu peux reprendre ta toile, s'il te plaît, parce que j'y compte beaucoup, hein. Je voudrais pas qu'il se passe un malheur, là. Hein, parce que là, le cadrage et tout, c'est tout est beau. Je suis ravie. Je suis absolument ravie. Bon, bah, les festivités sont ouvertes par ici, hein. Quand tu viendras, tu viendras ici, tout le monde ici ensemble, après ta toile. Et puis, bah, les mariés, ils vont venir également, hein, et que vous coupez la pièce montée. Voilà, le gâteau, sortez les couteaux. La pièce montée, on va la démonter. Je suis en train d'admirer un peu le paysage. Avec la journée qui se termine, c'est super beau. On est toujours à Windenburg. On verra bien ce que donne le nouveau monde. En tout cas, pour l'instant... Ah ben, d'accord, ils sont en train de taper leur meilleur slow, les deux, là. En attendant, Windenburg est quand même magnifique. Et oh là là, le lever de lune. J'aime beaucoup, beaucoup cette map. C'est parti pour la pièce montée, hein. Bah, pourquoi tu chantes, toi? Il faut qu'ils ont tous à chanter. Il y a personne qui a chanté. Oh, oh, ça y est. Ils vont manger le gâteau. Oh, je trouve ça trop chou aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activités à faire à un mariage réellement, mais... Oh, un chef-d'œuvre! Mais Adélie is on fire! Oh. Alors moi, bon, j'ai un reproche à faire dans le jeu des Sims, parce que à chaque fois qu'on fait une peinture d'après une photo de référence, donc après une photo du jeu, il y a toujours cet aspect très moucheté, très pas beau, mais... La toile reste quand même super cute. Ah, 3000 Simflouz. 3000 Simflouz. Ok, ok, ok. Ah bah dis donc, je suis encore plus contente, quoi. Non seulement ça rend super bien, l'idée, je la kiffe. Hein. Bon, voilà. Et puis, bah, tant qu'à faire... ouais, ça vaut cher, quoi. Oula. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Mais Sébastien. Sébastien, il est incontinent, si jeune, et pourtant, déjà, bah c'est la honte, quoi, mec. Ah bah oui, bah en plus ça pue, bah tu m'étonnes, tu viens de te faire dessus, quoi. Et après, il ose dire que c'est sale, non mais, c'est une fou, il se fout de ma gueule. Bon, ça chante pas trop, mais ça me fait tellement plaisir qu'il y ait du monde dans cette, ce petit mariage, cette grande table. Voilà, bon, il y a juste le musicien, c'est le musicien. Ouais, qui squatte là, mais je vais arrêter d'en prendre parce qu'en vrai, bah, il joue de rien. Parce que j'ai bien mis un orgue. Sachez que j'ai mis un orgue à l'étage, mais ils en jouent jamais. Donc ça reste très triste, cette histoire. Oh là là, Adélie, mais qu'est-ce que t'es cracra? Bah oui, pue là, mais... Elle a même pas voulu se laver au moins les mains, quoi. Ah, bah voilà, bah tout le monde s'en va. Comme ça, au moins, c'est fait. Au moins, ça, c'est fait. Il y a personne qui reste et tout. C'est trop marrant. Bah, il y a quand même pas mal de bouffe hein, qui va s'oublier dans les tréfonds. Hein. C'est un peu triste. Ah bah. Ah bah oui, d'accord. Donc, elle préfère encore nettoyer les plans de travail plutôt que se nettoyer la tronche et tout ce qui s'en suit derrière. C'est complètement normal. Oh! Amédée! Amédée est sortie de sa tombe pour nettoyer le plan de travail de ce caveau. C'est logique. Mais oui, mais nous, on est dans une partie complètement normale. Vous aviez oublié ou quoi? Le Lord Ennedi chez Shirley, n'importe quelle partie chez Shirley dans les Sims, c'est du n'importe quoi. Oh, mais Adélie, t'es dégueulasse. Oh la vache! Et elle va encore même pas vouloir se laver. Hein. Regarde, t'as ton papa qui est là. Oh là là. Mais va te laver les mains et puis et ça au moins, je sais pas, en attendant qu'on rentre à la maison. Attendez! Amédée, Godefroy! Oh là là! Les hommes de ce let's play. Ah ouais, mais non, mais... Si vous cassez tous les fantômes aussi, comment voulez-vous? Oh là, il y a une... Il y a quelqu'un qui a... Qui a laissé sa flaque dans le toilette. J'ai demandé à Percy de venir réparer, mais bon,
Si les fantômes s'y mettent en même temps, ça sert plus à rien. Bon, ok, on a tout ce qu'il faut. Personne n'est mort, personne n'est blessé. Il y en a juste des gens qui sont fatigués et qui puent. Oh là là, il y a Altea qui continue de casser la tuyauterie. Altea, je vais te surveiller parce que toi, tu vas encore piquer un truc ici. Ah non, c'est bon, elle s'endort. Allez, eh ben, d'ailleurs, on va rentrer à la maison. C'est comme ça. Alors, tout le monde est rentré. Il y en a qui sont fatigués. Le petit, il a faim. Il a très très faim. Maman Catherine, tu vas lui prendre une portion à ce petit là. Oh là, puis alors elle, pareil, elle n'est pas forcément en très bon état non plus. Mais le petit, oh, il a trouvé à bouffer. Ouais, je sais pas comment il trouve à bouffer ce gamin, mais bon, bref. Chacun va vaquer à ses occupations. Percy, toi, tu peux aller dormir direct. Voilà. Bon, alors, notre petite Adélie, elle est déjà en mode... Oui, non, mais c'est vrai, elle s'endort dans sa baignoire. Non, j'ai oublié qu'elle puait déjà, moi, tout va bien. Donc oui, lave-toi, noie-toi aussi. Mais bon, voilà. Bon, bah, Altea est inarrêtable. Il est 2h du matin. Et elle veut jouer au fer à cheval. T'as d'autres jeux, tu sais, qui t'attendent maintenant que t'es mariée, hein. On dira pas lesquels. Tu trouveras toute seule. Ah, tu casses, tu répares. C'est la loi ici, mon petit Wilhelm. Bienvenue dans la famille. Bon, vous savez quoi? On va en profiter, hein. Percy, je t'ai dit non. Pourquoi t'as... Dormir? Effrayé. Mais t'es bête? T'es bête ou pas? C'est pas hanté ici, hein. T'inquiète pas. Tu vas faire crac-crac avec ta femme. Vous allez faire un petit frère, une petite sœur à Sandor. Parce que on en profite, puisque moi, la prochaine fois, je ne serai plus dans cette maison, donc j'en profite. Alors que là où ça crapahute, ils vont se faire quelques petits bisous chastes. Pour l'instant, pas de crac-crac, pas de bisous. Ils peuvent, mais ils vont aller juste dormir tout simplement dans le même lit. Ils vont s'apprivoiser tout doucement. Je préfère garder le crac-crac et forcément le noubou numéro 1 quand ils seront installés dans leur nouvelle maison. Et pour officialiser la génération noble. Oh là 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 là, déjà. Les nouveaux amoureux font dodo. Adélie, tu fais quoi? Adélie? Adélie, tu vas te coucher aussi? C'est comme ça, c'est la vie. Bon, Adélie, elle a un petit peu dragouillé le père de Wilhelm, mais bon, il s'en est pas ressorti vraiment quelque chose d'éloquent. Elle est trop attachée à Gaspard, donc voilà. C'est comme ça. Ah, mais en plus, il est marié! Ah, mais franchement, le mec... Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Voilà, sur cette fin d'épisode, j'espère que ça vous aura plu, un épisode un peu spécialement mariage. Et puis, voilà, la semaine prochaine, ou la prochaine fois, en tout cas, on se retrouvera pour la nouvelle génération noble. Nouvelle maison, nouvel environnement, tout ça, tout ça. Je vous fais des très gros bisous. Comme d'habitude, le commentaire, le like et le partage, c'est la meilleure façon de m'aider au quotidien sur YouTube. Des bisous, ciao, ciao.